Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des poissons pour ce mois de juillet 2020. Alors aujourd'hui, et donc pour tout ce mois, hein, voilà, parce qu'il n'y en aura qu'un, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau Tarot, donc pour l'énergie générale pour tous les signes, donc l'énergie du mois de juillet, mais aussi pour l'énergie générale par signe, donc pour les poissons. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau Lenormand, qu'on va prendre en 6 colonnes de 3 cartes. La première colonne, ce sera pour le professionnel, la deuxième pour le relationnel, la troisième pour le foyer, la quatrième pour la santé, la cinquième pour l'émotionnel et la sixième pour la suite. Et enfin, nous prendrons guérir avec les anges de la nature. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant et à surtout à piocher là où ça vous parle. Voilà. Dans vos trois signes en fait, hein, solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à piocher et à voir comment ça vous parle dans tous les domaines. Alors pour tous les signes, donc pour ce mois de juillet, nous avons eu le cavalier de bâton, soit ici le chevalier de bâton qui va vous parler d'une envie d'aventure, d'une envie de cœur qui palpite, de shabadabadam. Voilà. Une envie de faire des sorties de zone aussi, histoire d'avoir des montées d'adrénaline liées peut-être aux prises de risque que nous aurions pris, en tout cas la prise de risque pensée. En fait, hein, on pense peut-être qu'on va prendre des risques, voilà, hein, tout est relatif dans la vie. Et du coup, voilà, et ça peut faire une montée d'adrénaline, et du coup, c'est ce qu'on rechercherait inconsciemment parfois. Il y a aussi une envie de foncer, une envie de secouer le cocotier. Attention, parce que cette envie de secouer le cocotier et de foncer peut, comme pour le tirage du 1er juillet 2020 avec le diable, ça peut vous foncer, mais enfin, vous ne faites pas attention aux conséquences ni de vos actions ni de vos décisions. Et du coup, il y aurait forcément une note à payer. Donc attention au mois de juillet à bien réfléchir avant d'acter des choix, en fait, ou avant de faire des actions. Et puis, c'est aussi l'envie de conquérir quelque chose, mais sans forcément avoir envie de construire par la suite. Donc au niveau relationnel, faites assez attention à cette énergie de j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, mais pas forcément de concrétiser derrière. Voilà. Ensuite, donc, pour vous les poissons, vous allez avoir le 7 de coupe en énergie particulière pour vous. Le 7 de coupe, pour moi, il me parle d'avoir beaucoup d'options possibles, en fait, d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Ça me parle aussi du coup d'un besoin d'organisation et de planification. Ça peut être un déséquilibre entre les désirs et la réalité aussi, même si elle n'est pas renversée. Il peut s'agir ici d'un déséquilibre entre ce qui est vraiment et ce que vous souhaitez, en fait, hein, essayer de. C'est pour ça que je vous parle d'organisation et de planification, parce que dans ça, il y a de la recherche, en fait, hein, et du coup, du questionnement sur qu'est-ce qui est réellement, est-ce que c'est réellement possible ou non. Ne cédez pas à la panique ou au découragement si vous voyez que ça va être compliqué, essayez de garder la maîtrise de vos émotions. Prenez le temps de la réflexion et de l'organisation. Rien n'est impossible parce que vous avez quand même pas mal de possibilités. Les illusions pourraient vous freiner, pourraient vous faire perdre du temps. Mais ne perdez pas confiance en vous. Vraiment, essayez de. Le maître mot pour vous, les poissons, et pour les ascendants et lune en poisson. Et je me parle à moi-même aussi, du coup, ça va être l'organisation, la planification, la maîtrise de vos émotions. Voilà, on va regarder avec le normand. Voilà, alors pour le professionnel, les poissons, vous allez avoir le bateau, vous allez avoir le chien et le serpent. Pour moi, il y a une évolution. Attention encore une fois au manque de confiance en vous. Attention à bien organiser les choses. Attention à ne pas sortir, trahir un petit peu ce que vous aviez prévu à la base, sortir de ce que vous aviez prévu à la base, histoire de trouver des raccourcis. Parce qu'avec le bateau, oui, ça va avancer vite, mais ne cherchez pas non plus à avoir des raccourcis. Faites les choses bien planifiées, organisez-vous. Voilà, un besoin. Professionnellement, on sent le chien, la loyauté, la fidélité, et le serpent, la trahison. Donc n'essayez pas de trahir vos objectifs, n'essayez pas de trouver des moyens de faire plus vite, de faire. Voilà, faites-le au rythme que cela demande simplement. Ensuite, vous allez avoir dans le domaine relationnel le jardin, la souris et le livre. Pour moi, il y a peut-être par rapport à l'extérieur, par rapport à. On va dire à vos cercles, pas intimes, hein, pas les amis très proches, pas la famille, mais plutôt
les gens qui gravitent autour de vous, vous pouvez avoir la sensation qu'ils vous grignotent et vous pouvez avoir. Vous allez peut-être avoir besoin d'un déclic pour arrêter de vous faire grignoter, pour arrêter de vous faire manger un petit peu votre temps, votre énergie, etc. Vous aurez peut-être affaire à des gens un peu énergivores, à des gens un petit peu. Ouais, qui essayent de grappiller quelque chose, qui attendent quelque chose de vous, ou qui, involontairement, inconsciemment, peut-être vous grignotent un petit peu. Voilà. Ensuite, au niveau du foyer, vous allez avoir l'ours, l'hélice et la lune. Alors ici, pour moi, au niveau du foyer, il y a de la réussite, il y a un manque de confiance, évidemment. Évident, on va dire, hein. Il y a des peurs, des perturbations, mais pour moi, c'est lié à un projet, à une réussite, en fait, quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise pour vous ou pour quelqu'un de très très proche de vous. C'est une reprise de pouvoir et c'est une matérialisation concrète. Donc par rapport à ça, surtout dans le domaine du foyer, pour moi, ça peut être quelqu'un de très très proche de vous, votre enfant, votre compagnon, peu importe, hein, la personne avec qui vous vivez ou votre compagne, peu importe. Et il y a pour moi une forme de réussite, mais une forme de réussite avec toujours un petit peu de doute, un petit peu de peur, hein, peut-être un léger stress, mais c'est le trac en fait. Plus que du stress, c'est un peu de trac en fait, hein. Ensuite, ici, vous avez donc dans le domaine de la santé, les poissons, le cœur et l'arbre, tout va bien. J'ai pas de problème. J'ai pas de. Non, j'ai pas de soucis. Donc voilà, tout va bien. Ensuite, dans le domaine de l'émotionnel, vous avez l'ancre, vous avez la cigogne, vous avez la montagne. Oui, pour moi, c'est le blocage mental. Au niveau émotionnel, il y a des changements déstabilisants. Parce qu'on a le changement là, on a l'ancre, on va rechercher une stabilité. Et en même temps, on aura un peu peur, quoi. On sera un peu figé, un peu bloqué, un peu freiné, un peu ralenti. Et du coup, là, ça nous disait pas de panique, pas de découragement, et surtout de ne pas se laisser freiner par nos illusions. Donc, on va être dans cette énergie-là. On va essayer de, en fait, on va faire les efforts pour. Donc, encore une fois, au niveau émotionnel, on va être un petit peu sollicité, mais c'est pas hors de notre portée. Et pour la suite, donc nous avons le cavalier, la vierge et la femme. Eh bien, pour moi, c'est la suite des projets qui avancent, encore une fois, en stress, encore une fois, en autoflagellation, encore une fois, est-ce que je vais y arriver, etc. Mais ça avance, en fait. Donc, tout va bien. Voilà. Écoutez, on va regarder avec, guérir avec les anges de la nature. Bon, on en a eu deux, on va les prendre. Hein. Ça sera. Ah non, il y en a trois. Bon, bah écoutez, j'ai dit qu'on les prendrait, donc on va les prendre. Donc, vous avez eu. Vous êtes un guide spirituel avec le crocus. Partagez votre sagesse avec les autres. Vous êtes né pour enseigner. Ensuite, vous avez eu. Une âme sage avec l'azalée. Votre âme porte en elle une sagesse ancienne. Accueillez-la car vous avez le savoir nécessaire pour aider ceux qui vous entourent. Et enfin, vous avez eu l'énergie planétaire avec l'agapanthe. Elle vous dit, la Terre passe par une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul, acceptez l'aide des autres. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider encore une fois à les piocher dans celui-ci et puis dans les deux autres, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois on pense qu'on a trois signes différents. Par exemple, moi j'en ai que deux et je connais des gens qui en ont qu'un. Donc voilà. Donc essayez de piocher à droite à gauche ce qui vous parle dans votre signe lunaire, votre ascendant, si vous avez l'opportunité, et votre signe solaire. N'hésitez pas à mélanger un petit peu tout ça. Et puis nous, on se retrouve dans un mois pour un tirage similaire ou demain pour un tirage quotidien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Salut!